tire vidéo ça zami compatriote TV lakayhaiti.com yo faut que nous annoncer que bagay yo dégénéré non savon pistache bagay yo tête en bas non sous matelas pas gen bonne nouvelle même c'est rel la presque fini pour j'ai eu d'affaire yo vin font ti fredi pour nous même nous connaissons bon bagay et puis c'est là yo vin en bay fredi tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde nous fou bien petit on a été là même si t'es pas bon mais la charge la vie pas petit on a tout le monde la garde si nous passer pas bon Dieu te sauver conserver la vie c'est compresse sous tête en pile monde glo dans Dieu en pile monde a demandé qui côté et bien bon Dieu t'a sorti vinn délivrer yo parce que yo pas capable encore yo pas ca supporter combat ça encore yo pas ca attendre coup de balle bandi à gauche à droite pour vire retourner moun a mouri vire retourner moun a kidnappé alors que pays a dit gen dirigeant pays a gen l'état gen policier mais mesdames et messieurs est-ce que Haïti ca supporter jusqu'à 2023 qu'a venir là pour Jean Bagayoye là nous pas cacher dire pas gain espoir encore espoir fini et nous allons vite découvrir ça en dans vidéo ça TV lakayhaiti.com nous content avec vous et pas oublier pour vous même qui nouveau sur canal ça et donc pas par l'autre que TV lakayhaiti.com et pas oublier abonner et bien activer petite cloche notification après même ou fin peser bouton s'abonner retirer le sous personnaliser mettez le sous tout. Nous comptons avec vous, aujourd'hui c'est lundi 5 décembre 2022 et c'est pratiquement première sortie nous. Eh bien, pour ce maintenant là, et n'a dit merci à toutes les amis nous, compatriotes nous qui pas jamais lagué nous, qui étaient fidèles avec TV lakayhaiti.com yo, n'a dit merci le fait que vous faites choix de nous. Merci parce que vous pas jamais lagué nous. Merci parce que vous faites nous confiance. Information triste, mesdames et messieurs, dans sous matelas, bagay yo dégénéré, dans savon pistache même, c'est rel, tout moun dans la rue, nèg grand ravine qui gen nan tèt li, ti la pli k ap dirije groupe gang sa, et nèg aksam ame sa yo, et bien mesdames et messieurs, bagay yo dégénéré, donc dans savon pistache, parce que nèg ti la pli yo envahi kay en pil moun pran la rue, en pile moun obligé nan maon gen moun même se relé après relé en moue parce que yo pas capable encore coup de zam et pou à gauche à droite en l'air comme en bas nan mitan sous côté bagay yo vraiment dégénéré nan savane pistache en pile caille boulé et gen moun ki blessé gen l'autre même qui mouri mais qui sak Haïti ya mesdames et messieurs n'a avancé fin 2022 là et bagay yo semble pas changer et n'a entré dans 2023 comme ça si l'état yo même si nèg ki di se yo k'ap dirije pays ça yo pas prend destin yo en main yo pas lever campé yo pas prend disposition pour retirer nèg armé ça yo k'ap entouyer peuple là k'ap faire sans peuple là couler chaque jour bon Dieu mette et ben n'ap di ou Haïti pa gen l'espoir encore. Ancien colonel Imle Rebu, monsieur frappé fort et monsieur Gaewon Ariel Henry cap monté gros complot là avec en communauté internationale là précisément madame Laline qui nan tête ambassade américaine en Haïti et ben n'a dit que gen gros complot cap monté là nèg américain ça yo c'est fini même yo décidé pour fini à pays et c'est propre nous même encore qui c'est petite terre y a fait fini avec Haïti et les comme ça yo même yo pas bien chay apporter yo même yo pas bien compte pour rendre parce que c'est nous même encore ti nèg noue y a fait nous touye l'autre, y a fait nous manger l'autre, nous tourne cannibale nan pays ça. En tout cas, bagay yo dégénéré mesdames et messieurs, nous pral inviter ou gen tout détail yo, nous pral inviter ou tande colonel Imle Rebu qui dit même t'ap mette gros dossier ça au deyò qui peut-être ka gen impact sur la vie colonel là parce que c'est nèg qui pa jam manger un qui frette depuis la di on bagay li dit li fini et c'est comme ça Imle Rebu lui-même li fonctionner. En tout cas, Imle Rebu fait en pile attention zanmim parce que Haïti son pays piégé, son pays té glissé, veillez côté wap mettre pio garçon. En tout cas, bonne écoute tout le monde fanatique zanmim compatriote TV lakayhaiti.com yo. N'a pas rejoignou dans une prochaine vidéo. En attendant, restez là. La situation était compliquée dans sa vente pistache bandi grand avignon attaqué hier dimanche dans pile famille abandonnée caillou bandi yo mettait du feu là-dedans dans couloir radio à nous gagner une famille qui perdu toute sa li gagné et petit Lyonbo lui-même li Lyonbo est là li avec nous on va parler avec lui tout à l'heure mais conséquence bataille ça qui reprend dans
savane pistache là fait sentir sous distribution courant depuis hier toute zone Boïsien jusqu'à Gourdon sans courant en raison de un fil électrique qui tombait et dans zone et qui alimentait toute zone ça nous parler pour nous parler avec un directeur EDH concernant situation qui compliquée. Mon yo bakon ki simple yo rele en pile moun a kouri kite pays a en pile moun nan la toumont mais c'est occasion tout côté artisio yo a inspiré de situation ça et à travers production yo musique yo fait côté radio à travers le monde. Nous comptons gagner avec nous au matin et n'a pas démarré à partir des sujets ça que Johnny a élaboré sous le matin qui gagne un rapport avec sanctions États-Unis à Canada prend compte une série de personnalités haïtiennes qui dans plusieurs domaines mais surtout politiques pavimento ou même comme on cap suivre actualité comme dirigeant politique comment interpréter ensemble de sanctions SAEO qui apprend contre une série de personnalités haïtiennes. Bon, tout problème, non, c'est un système qui mettait en place, qui construit par les États-Unis pour détruire Haïti. Ils ont toujours fait sélection nationale, moun yo konnen qui n'est pas correct. Ça permet de gérer intérêt ou dans le pays a beaucoup plus facilement. Et en un travail permanent à faire pour détruire l'image Haïti comme pays, comme peuple, il y a toujours qu'un de ça en dans une stratégie et c'est pas d'aujourd'hui. Pour nous comprendre ce qui a passé là, pour nous comprendre le souhait positionnement les États-Unis et aussi de l'autre pays, c'est pour nous remonter dans l'histoire pour nous connaître que Haïti, c'est un pays qui crasait le système esclavagiste. Là. Et nous songez, bon président américain Franklin Delano Roosevelt, qui était plaignant pendant que le TAP fait et un rapport à la nation pour dire que Mounsayo représentait Haïtien, il représente un danger pour les États-Unis. Parce que eux-mêmes, ils ont continué à gagner 28 millions de nègres qui étaient encore en esclavage aux États-Unis. Les États-Unis, par exemple, sortis du système, ça, de réalité, ça. Et, ouais, eux-mêmes, ils connaissent des lois, là, qu'ils ont. Ouais, toute précaution est à prendre par rapport au système légal qui est là, qu'ils ont. Dans le dernier article qui sortit, et dans le journal, là, nous avons parlé de Lila. Mais ils viennent arriver à un côté, ils prennent un piège parce que niveau misère, niveau violence que engendré en Haïti, ils viennent porter un pile haïtien obligé à quitter le pays, à chercher l'autre côté pour le cabral en souffle, notamment en République dominicaine, et en pile qui prend un petit bateau pour aller aux États-Unis, ça vient gêner les États-Unis. Donc, étant donné que y a un volume misère général, pas qu'à faire l'autre bagage que font pile mon a cherché émigrer la caillou. Donc, pour protéger l'intérêt des États-Unis encore, y a obligé après qui ça y a fait. Et même là encore, y a continué à empêtrer. Y a continué à empêtrer parce que, et nous songeons qu'un ambassadeur t'a dit, il a raison. Là, il t'a pralé. Que lui-même, lui, pas travaille pour Haïtien, il travaille pour le gouvernement des États-Unis. C'est les États-Unis qui payent. Donc, le là, c'est intérêt les États-Unis, la défendre. Et c'est vrai. Et c'est vrai, il a raison. Donc, les États-Unis, en dans situation là, ou regardez, ils ont dit nous, que des mouns, ils ont fait des reproches là, c'est des mouns, ils ont plus de 20 ans pour collaborer avec eux. Ils ont dit nous, il a collaboré avec un gouvernement qui l'a. Je connais que il gagne des bandits en dedans gouvernement qui l'a, il a collaboré avec lui. Et nous avons une situation beaucoup plus grave. Ou gagne un premier ministre, Lodia, en Haïti. En tout cas, il dit le premier ministre. De fait, c'est lui-même qui est premier ministre qui a signé tout papier comme tel. Deux journaux importants. Aux États-Unis.
dit à partir de données au gain de bureau, on juge. Il y a de fortes raisons de croire que mon qui premier ministre en Haïti a gain des liens de complicité dans l'assassinat au président de la République. Premier mon qui premier ministre n'a pas poursuivre journal ça en diffamation parce que son bail qui grave. Ou pas comme premier ministre en pays pour deux journaux CNN et New York Times citer non dans complicité d'assassinat au président et pour pas faire rien. Et c'est là moi-même comme citoyen obligé de prendre une certaine distance par rapport à un monde comme ça parce que si on accuse d'un bagage grave aussi grave ou pas dire rien ou pas poursuivre en diffamation toute nation connait des droits pour vous être dit. Question, est-ce que c'est un complice d'assassin qui a dirigé destiné pays? Mais les États-Unis ont collaboré avec elle. Et ils ont dit dernièrement, ils ont pris mesure. Ils ont même pris mesure. Mais c'est moi qui ai le gouvernement en Haïti qui a pris mesure. Donc, nous avons un gros imbroglio. Naturellement, nous-mêmes, dans tout reportage que nous faisons sur ce sujet, nous dit que ce sont des gens qui ont accusé. Et nous tendons en pile là-dedans, disons même qu'il y a pris en route la justice. Le moi-même m'a analysé, beaucoup de qui formule que vous êtes capable de prendre en route la justice, ça, parce que vous mis en accusation par des gouvernements étrangers. Donc c'est M. Go, homme de loi, qui a dit, qui mécanisme qui a mis en place pour un citoyen introduire une action en justice contre un gouvernement. Maintenant, toujours est-il que nous en dans une situation qui a pris en pile lumière sur le pays. Grand pile bagaille, dit, en pile monde, t'es suspect, t'es connu. Et nous restons à mener nous vers, on, obligatoirement vers l'autre système. Mais nous t'as qu'à poser tête nos questions, tout. Pour qui ça, nos sociétés? Grand pile monde n'y a pas accusé là, nous t'es déjà connu, nous t'es toujours connu, c'est des malfaits. Mais comment une société t'es capable de permettre que du type où on est capable de vivre aussi haut. Moi-même, moi, quoi, c'est le silence des bons citoyens. Le chute à la caillou. C'est vrai, vous faites au peur. Vous faites au connaître politique, c'est bagaille sale. Pour ne pas mélanger dans ça. Donc, ils ont été, ils ont géré leur peur. Mais, je dis à peur, ils viennent rentrer en dedans chaque fois. Donc, est-ce que nous sommes capables de faire un bagaille collectivement pour nous capables de changer le système là, par la présence des bons citoyens qui peuvent créer la CAO, qui sont en masse pour prendre d'autres décisions politiques, c'est une question posée, c'est une question posée à tout le monde qui a écouté l'émission. Ah, et la justice haïtienne dans tout ça, colonel. Mais nous sommes dit, le premier bagage qui a crasé, c'est la justice qui a crasé. Ils ont commencé par infiltrer avec deux mondes qui semblent avec eux. Ou pas, ouais, t'es un président qui est là. Il y a plus de monde qui conseille, qui a fait quoi que le terrain doit craser toute institution dans le pays. L'écraser le Parlement, l'écraser la justice, et il a dirigé par décret. Il y a plus de monde qui a fait quoi ça. Et comme de fait, il fait tout ça, au point que je dis, nous n'avons pas de réponse légale à qui j'en pour à la décision qui fait pour prendre le pays. Au point que, pourtant, il y a un monde qui est premier ministre. Mais la baisse de pouvoir pour nommer un président à la Cour de cassation. Pas aucun côté. Il prévoit qu'un premier ministre ait de tel pouvoir. Maintenant, question à poser. Si le président de la Cour de cassation est nommé de manière illégale, est-ce que décision que lui-même libéral prend ou une tête justice à cap légal? Je dis. Son situation de fait, il faut que vous qui fait. Donc, moi-même, je crois que, et c'est ça, ouais, Blanc, toujours répéter mon chèque, ouais. Là, nous arrivons dans une situation, côté pays a détruit dans toute organisation légale, au point qu'on n'a pas besoin d'une référence légale pour prendre des décisions, nous obligés de tomber dans la théorie de. Ça a eu un contrat moral entre groupes de citoyens qui ont fait base au nouveau contrat pour nous prendre des décisions. Et c'est une bagaille, ça, étranger, qui est difficile. Parce que c'est eux-mêmes qui toujours prônent
proposer la division comme méthode pour capable de régner, pour capable de gagner une prédominance sur le pays. Ça. Donc, nous revenons à fou, c'est avec citoyens d'un pays pour joindre une décision et très certainement, comme Blanc et Romain, nous prenons un piège par tout, nous coincons tout. Ils sont capables de faire une contribution à ça pour nous sortir côté nous. Même penser que ça qui a passé là, sont bonnes leçons pour les bonnes citoyennes et les bons citoyens de ce pays qui contribuent par silence à tout ça qui a passé là. Il faut qu'il y ait une élection qui est organisée dans le pays. À qui ça, vous pensez que sanction ça y est, qui prend compte une série de monde qui ont même probablement été capable de candidat dans différents niveaux d'un pays capable de gagner. Qui conséquence sanction ça y est, selon vous, capable de gagner sous personnalité ça y est, qui ont même probablement gagné de ambition politique. Premièrement, toute mise de Tout citoyen a passé dans le pays, pas venu pour l'autre raison. Tout à fait, gang, moutante, des ordres à gauche, des ordres à droite, y'a pas venu pour aucune raison. C'est Mounzao qui finit piller le pays, a levé tout ça pays, a gagné, a fait un étranger cadeau. Parce que, depuis en décembre 2021, dès qu'on a dit qu'on aime dédié, bon moment qu'a privé étranger a fait main basse sous richesse ça. Y'a plein, yo. Et comme de fait, c'est ça qui a privé. Donc, on pile monde vini, yo crasé pays, yo metton pile monde dans la pauvreté, pas gen l'hôpital, pas gen l'école, pas gen route. On pile jeune, obligé de tomber dans banditisme pour qu'a vivre jusqu'à ce vin tourner de vrais criminels. Et toute l'argent ça yo prend, yo a déposé, yo a fait cadeau dans pays. Même parce que c'est aspect ça qui beaucoup plus grave dans crime que yo fait. Appauvri pays a totalement et a déposé tout comme ça dans pays étranger. Mais même étranger ça, yo compte très bien dans condition nous y est là, nous pas qu'à faire élection. Et yo vin associer criminel ça, parce qu'il y a des élections, pour nous cap à mettre des monde qui député, qui sénateur, cap vin ministre, qui parle en de tout système judiciaire pays, en de tout système politique là, pour protéger même voler ça encore. Bon, l'autre aspect discriminatoire qui a passé dans la sanction. Parce que, écoutez, l'agent son bagaille qui parle, si vous avez besoin maintenant qu'il y ait n'importe qui monde, ou a, par rapport à la richesse à présomption, ben, richesse supposée le gain, mais supposez que vous avez quatre questions, vous rentrez dans l'histoire personnelle. Mais on va vous remonter filière très rapidement, on va faire ça. Parce que l'argent est toujours au cœur de la criminalité. Et poursuivre l'argent, ce n'est pas très difficile. Il y a un pile de citoyens, autant de blancs qui bloquent là. Et c'est de vrai. Il y a des lois là, Kayo. Mais il y a des lois, c'est vrai, il n'y a pas appliqué, qui fait pas mettre ou pas trois camouillards qui disent c'est des mounes pour noir. Parce que il y a un pile de monde pour les qui mettent crime qui fait, qui mettent système économique là, il n'y a pas citoyen haïtien. Il n'y a pas citoyen haïtien et les États-Unis dans cette situation, même l'OTAN de l'État d'où il y a poursuivre, même si vous êtes citoyen américain qui la donne, il y a des lois qui sont obligées de respecter. Maintenant, après, tu regardes pour vous, si un dans la liste pour sortir dans l'ONU, premièrement, qui les liste à sortir, et si il y a un vrai monde qui met et crime en matière économique, parce que criminel qui a fait des autres dans la rue, il n'y a pas qu'à gérer l'argent, il n'y a pas un pile en deux systèmes économiques. Donc c'est en deux systèmes économiques là, toute question, et c'est là où y aller. Maintenant, afin pour le monde participer dans l'élection, bon, premièrement, qui est capable de gagner l'élection? Parce que pas un monde qui a été malhonnête pour ta comprendre, nous allons rentrer dans l'élection avec Ariel Henry. Parce que Ariel Henry n'est pas placé là pour l'autre raison. C'est pour qu'il courir faire faux élection pour mettre même qualité de monde sur le pouvoir. Là, il est très clair. Ça, nous n'avons pas même besoin de faire discussion sur lui. Mais nous, depuis 17 mois là, tout, il n'est pas capable d'avancer en dedans de ça. Maintenant, c'est là pour qu'on mobilise ce citoyen général pour résoudre faux problèmes dirigeants pays à qui est là. Parce que nous sommes en train d'être dirigés par un faux. Et à partir de là,
et yo connaît solution. Grand pile dossier qui là, yo connaît solution. Mais nous même tout comme citoyen, mon rôle nous gain pour nous jouer parce que nous est qualité moun sa yo que système nous permet de arriver en roi, yo pas fait nous l'autre bagaille que du mal. Yo fait nous du mal dans notre vie qui au quotidien pas grand monde dans pays a cap dire pas peur. Yo fait nous du mal dans notre économie, mais yo fait nous mal plus en de dignité nous comme monde comme être humain. Regardez qui ça cap passe en République Dominicaine là. Qui sont en des moun qui a dirigé outil? Qui sont en des outils que vous pouvez ici, t'as qu'à prendre un gain droit, rentrer dans le pays, et que la vivre normalement? Quand tu étais jeune garçon, tu moun nous gain, à vivre dans l'humiliation, République Dominicaine, Bahamas, etc., dans tout pays Caraïbes, là, aux États-Unis. Mais t'as aimé vivre dans le pays, yo. Mais qui qualité offre nous faire, qui est différent de ça que nous avons offert aujourd'hui, que nous avons kidnappé, que nous avons tué, que nous avons brûlé, etc. Et c'est comme si bandits viennent tourner les rois de la terre, parce que tout simplement, parce que nous n'avons pas capable d'assurer la sécurité dans le pays, on met à le fouiller, on vient mettre insécurité à son dans le gouvernement. Et tout ça qui passe en Haïti, c'est le monde qui est dans le gouvernement, qui est responsable, et c'est eux-mêmes qui sont acteurs actifs. Dans toute misère population a passé là, par action ou par omission, ou bien c'est eux-mêmes qui tolèrent, qui font le fait, ou bien ils prennent place pour laquelle ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas qu'à résoudre le problème. Dans les deux cas, pas l'autre solution, ça allait bien. Là, c'était un passage obligé, une nécessité. Et voilà, ça fait longtemps dossier ça, nous pas attendait. Et c'est dans le moment ça international là, vini, Canada, États-Unis avec sanctions contre de monde qui gen li avec gang et qui dans trafic drogue. Et est-ce que vous pensez avec des masses ça et c'est fini question intervention militaire là ou bien son bail qui toujours pendant? Mais c'est parce que Mounio a parlé de bagaille pas qu'on est. Ou pas cap gagner une intervention militaire depuis le pile monde qui n'a pas eu le gouvernement t'a écrit lettre là le 7 octobre il t'a demandé intervention mais le 9 moi sorti une analyse qui montre intervention pas cap fait n'est pas cap fait pour des raisons purement techniques mais pas cap fait non plus pour des raisons politiques. Moun ki bandi yo, jan yo organize, volume zam ke yo gen nan men yo, kalite zam ke yo gen nan men yo, et justement en face, quantité bagay ke la police nationale ou l'armée ta fait pou ta gen, d'abord nan kalite moun, ensuite nan matériel et équipement, ensuite dans le métier de sa le moral troupe la, pou ta kap faire face à situation sa yo. Mais yo pa gen yo. La police, même considérée que bon policier en Haïti, je veux dire, c'est de monde qui vivent en une misère morale absolue. Tout chat est tombé sous le dos. C'est eux-mêmes qui courent des risques sur la vie. Pour rien en face. Maintenant, intervention militaire. Moun qui m'a dit, ce ne sont pas des miliciens. Ce ne sont pas des gens qui n'ont l'armée. Ce ne sont pas des troupes organisées. D'ailleurs, ça nous remarquait. Je dis à pile groupe que aurait les groupes bandits ou bien gangs, yo de plus en plus atteignent un certain niveau d'autonomie d'action. Yo viennent autonome et autonomie ça vient rendre une opération beaucoup plus difficile. On imagine par exemple pour faire venir, alors pour qu'ils soient quoi américains ou pas venir, canadiens ou pas venir, ouais y a fait la balbal, yon pas voulu venir. Parce que yo couche sur Abdoulah yo connaît. Yo pas en affaire avec des troupes régulières qui ka recevoir l'ordre dans main de monde pour gagner telle attitude pas gagner telle autre attitude. On dit par exemple deux Canadiens venir tomber au mourir là. Mais ça le Canada va l'expliquer pour le petit Canada qui a mourir dans blague que nèg avec gangster à régler en Haïti. Yo pas faire. Maintenant nous reconnaissons tout que situation qui gagne là, il dépasser les forces organisées en Haïti. Mais est-ce que ça veut dire pas une solution? Oui, il y a une solution. Oui, il y a une solution qui est beaucoup plus simple que le monde n'a pas imaginé.
Étant donné que problème qui vient là, il n'est pas sorti, il y a une manifestation à terre. Puis le monde qui mourit dans la cité soleil, et la plaine, et dans la plaine, qui perd du caillou, etc. Tout c'est sous compte au monde qui est Ariel Henry. Et là, puis le monde qui mourit par 352 ans. Ou pas, j'aime bien dire le souci, ou moi, vous le dites quoi que ce soit. D'ailleurs, depuis le départ, il dit nous qu'il n'a pas résolu le problème Matisse en deux mois. Même quand on essaye de prendre le docteur Romain dans une salle d'opération, ou monde qui font stroke, grand pile chance après une aide dans ce qui moun n'a refait. Même par contre, qui ça a gagné comme connaissance pour la dire que le gars a débloqué Matisse? Lui, il ne doit pas gagner connaissance en lui-même. Mais le gars est beaucoup de temps. Il n'y a aucun monde que vous connaissez qui est capable d'aider pour le voir dans le problème. Non. Par contre, il y a un pile monde souterrain qui connaît. Dernièrement, m'attendais aux jeunes gens avec Wendell Théodore dans la dernière émission, le point que le faire. Mais au moins, pays a un pile monde qui connaît, mais monde ça n'a pas accès à espace pour même conseiller monde qui prend décision. Mais ce n'est pas au hasard que monde qui connaît ça n'a pas là pour travailler dans la décision. C'est parce que monde ça représente un danger pour l'entreprise criminelle que Dr. Ariel Henry prend en charge pour la faire faux élection pour continuer à perpétuer. Il connaît très bien. Si vous voulez, il y a un pour vous, mais vous avez 12 à 14 mounes, sourire du point de vue stratégique, 4, 1, 2, 3, 4 mounes pour faire. Maintenant, premier côté pour aller. Manifestation, problème, c'est dans la rue, c'est pas dans la rue. C'est le tête, c'est mafia, le tête plénio, le problème. Premièrement, il faut neutraliser. C'est même, je le rappelle, le président Jovenel Moïse, Thierry, le parle de Baye. Bon, moi, je ne sais pas, je suis dans le macaque. Il a arrêté 26 ans, moi, et puis le pays a pris la paix. Parce que pas brûler, même moi, je ne peux pas d'après, ou je prends temps, je cours des engrais de bandit à gauche à droite. Non. Il faut aller là où le problème a pris naissance, là où se trouve, il faut arrêter les bandits, les gos, les chefs. Parce que c'est eux-mêmes qui approvisionnent les bandits qui en bas, que nous avons besoin de tout ensemble. C'est eux qui ont besoin de munitions. Nous n'avons pas demandé les États-Unis pour faire travail sécurité pays pour nous. Mais comment ils ont organisé la sécurité d'un pays pour protéger les citoyens, c'est deux bagages au contrôlé. Alors, vous avez une question, qui quantité de moyens que vous avez immigration pour rentrer dans la technologie, pour faire travail des gens, pour faire pour contrôler qui vous avez rentré, qui vous sorti dans le pays. Alors, contrôler pour qui vous avez tête la douane, parce que c'est à travers la douane que trois cabarets qui ont fait le pays a mal à passer. Qui moun qui mette moun nan chef la douane nan pour qu'a permettre les passe à conteneur aux gens et commandant chef Gédéon te dit dans figure parlementaire il y a des fois il kembe conteneur et qui gen zam yo les finisse des moun qui chef pays ak bal l'ordre et qui te repasse. Donc nous en nos systèmes nous connaît très bien côté problème dans sorti si vous les résoudre on a côté problème dans sorti. Maintenant la réalité de tout quartier ça aussi, encerclé côté mon y a vivre et en déroute en permanence, c'est un gros problème, mais qui a des solutions. Et grand pile bagaille moi content de cap dit pas des monde qui plus ou moins connaît ou bien pas des monde qui connaît ou bien qui fait les expériences, plein solutions pour problème qui gain là. Il est vrai aide pour demander assistance pour demander étranger, moi pas tellement quoi des monde qui connaît dans toute case stratégique qui cap bandé et qui ça pour yo mandé parce que trois cabaret m'a tendé à dire mandé ou bien écrit acheter tout ce monde cap bay blague cap parler de bay yo pas connaît t'a pris acheter pour cap mandé ou pas cap techniquement permettre résoudre problème qui gagne et on dernier bagaille le monde a évolué. La technologie joue un rôle extrêmement important dans l'évolution et le fonctionnement des peuples. Mais qui côté nous gagne 1000, 2000, 3000 jeunes femmes avec jeunes garçons qui gagnent entre 18 et 22, 23 ans n'a formé sur le plan du patriotisme et sur le plan et de l'évolution technologique. Donc c'est avec manchette ou bien couteau d'Igo, nous allons résoudre le problème de sécurité des pays. Et le monde a évolué. Tout le monde m'a entendu parler. Grand coup, ils ont été kidnappés pour nous désordre, nous plaisir dans le pays. Alors, pas de moyens sur le plan technologique pour faire monitoring
et tout le monde sait le film là, le film kidnappé, le monde qui a négocié. Écoutez, c'est vrai, le monde qui a dirigé ou pas vrai. Ou pas vrai, parce que ça n'a pas dérangé, ou même personnellement, ou bien sécurité. Et la misère morale, la misère économique, la misère totale que nous avons vu, n'a pas intéressé, ou et étrangers, comme ils sont aussi pris au piège. Donc, faut un jour finir par parler avec des gens qui connaissent qui ça pour faire. Si jamais vous voulez vraiment aider Haïti sur le côté de l'IA, mais moi-même, j'ai des doutes sur bonne volonté. Ou gen dout sou bonne volonté yo ou parler tout là de pour le mettre en question capacité yo puisque c'est ou dit que équipement matériel que autant de y a dit y a pas acheté ou bien acheté ou là pour aider résoudre problème non est-ce que ça pas venu c'est pas un problème de compétence qui à la base non bon problème de compétence au départ gen un problème de compétence nan niveau moun k'ap dirije ou nan niveau go chef yo par exemple. Est-ce que c'est moun qui commandant en chef de la police là capable de décider de libre d'acheter 3-4 hélicoptères? Même s'il dit pour acheter, yo. Mais c'est pas lui-même qui prend la décision. Donc, même s'il connaît, c'est une bagaille pour le Tahiti, c'est le bagaille moyen pour le. Donc, il dépend de volonté moun qui a décidé de politique. Yo. Décidé de politique eux-mêmes. Premièrement, est-ce que vous voulez? Bat tellement quoi? Parce que yo même yo connaît moun souterrain connaît si moi même moi connaît 14 à 15 moun en Haïti ka régler là en don conseil de sécurité et puis yo bay solution pour chaque aspect problème ne va pas connaître même maintenant yo gen problème et moi tout problème là c'est des gangsters qui voulaient pour y aller faire faux élection pour mettre même voler même vagabond dans tout domaine dans pays a pour continuer faire même bagaille là et les États-Unis gain complicité là-dedans parce que les États-Unis nous elles gain capable de contrôler cabaret mon cabache des amis et pour qu'ils ça pas fait pour totalement naturellement le bagabon business moi mal mandé pour le graser parce que le marché des armes son marché nous connaît à travers le monde qui est extrêmement important et si bagain balle cap pété et moun kap mouri à travers le monde zami a fait côté a bandou donc c'est nous mêmes qui vous protéger tête nous même Jean ambassadeur a dit ya. Et méthode pour nous protéger tête nous yo existé donc c'est pays a qui c'est citoyens nous citoyens qui pris en otage par une équipe de équipe gangster il y a un travail qui commence à faire là cap un petit peu déblayer espace là donc c'est pour citoyen à citoyen au prendre note pour connaître au moment yo même yo cap intervenir qui gens pour intervenir qui ça pour faire mais problème qui gen là yo yo gen solution tout simplement parce que ce sont des problèmes dès que vous un problème existé pour analyser un dans problème là même pour une méthode pour résoudre bagaille ou tande Abdou bandi a fait tout pas trop marcher tirer Dieu mon nom c'est moi qui dans tête état yo qui pas voulez stopper problème là qui veulent pas stopper. Et si y a un monde qui parle avec étrangers, ça vous fait pour parler, qui ça vous fait pour gagner, mais assurez-vous, après un mois d'adaptation, parce que l'on achète un matériel et l'équipement, le monde qui peut servir avec, là, vous entraînement pour recevoir, pour adapter la belle, pour qu'elle fonctionne avec. C'est pour baguette magique, même si vous avez le meilleur matériel et l'équipement, et vous pouvez rendre nos services, vous pouvez. Bon, on travaille d'adaptation, bien pour faire, mais je vous dis, les solutions sont là, et il y a plein de solutions. Non, et la police, là, en fait, le gouvernement a annoncé à acheter ou bien acheter 12 millions de dollars d'équipement. Nous, c'est 2, 3, 4 blindés qui viennent et nous, comment il a pu utiliser tout. Comment on question ça? Et blindé, ça, qui sont dans le pays Canada, ça va bien longtemps, il y a une qui était en panne dans la zone Savane Pistache, là. Et vous pensez approprié? Pour cadre de mission sérieux? Évidemment que non. Évidemment que non. Et il faut que tu sortes pour comprendre que les moyens sérieux te permettent de résoudre le problème. En fait, pas sortir obligatoirement. Ou ne doit pas connaître tout. Par exemple, un matériel blindé, et bon monde qui est extrêmement sincère, c'est l'ambassadeur Carrier, ambassadeur canadien. Là, tu as compris le port en priorité, comment ça fait. Mais il te dit de manière très claire. Mais, bagage, ça, que nous commandons, il n'y a pas qu'à permettre de nous résoudre le problème, nous, là. Ce n'est pas des blindés à tout, que nous achetons.
Et même le nous t'acheter des blindés à tourel. Un blindé, il y a deux rôles sur le plan technique. Les bons rôles d'accompagnement et d'écrasement. Les permettre de débaliser une zone, mettre une désordre généralisé quand même qui en face au roi, pour permettre aux troupes à pied de monter faire le nettoyage. Blindé n'a pas qu'à résoudre le problème par lui-même. Il n'a pas qu'à comprendre qu'il y a un monde qui a mis en tête tout. D'ailleurs, blindé a, il a pris ça au blindé. C'est pour protéger le monde qui est dans là. Ce qui veut dire que le monde qui est dans là, dès qu'il sort de blindé a, il est vulnérable. Donc, il n'y a pas besoin de blindé. Si vous nous en sortez en dedans. Donc, on est guéri dans le blindé, ça tombe à tirer et puis là, pour résoudre le problème, mais ce n'est pas vrai. Dès que le blindé a déplacé le problème, après tout, on est dans la même place que l'IA. On ne peut pas demander à la police de résoudre des problèmes de territorialité. Tout technicien compte ça. Parce que la police connaît son travail, la police fait son travail. Premièrement, l'anticiper. Deuxièmement, elle va arriver à anticiper Zakla posé. Là, elle cherche les gens qui posent Zakla. Qui ça le fait? Il prend les gens, mais elle va aller à la justice. Michel préfet. On va demander pour le rester 24 heures sur 24, 365 jours là, non, il se passe côté là, sécurisé. Non, ça ne se passe pas comme ça. À moins que les gens de mauvaise foi, ou bien les gens pas connaître de qui ça l'a parlé. Mais ma boue dit au matériel, ça a été commandé. Moi, j'ai toujours dit lui. Ambassadeur canadien te dit, il te gagne raison, son vérité te dit, matériel, c'est ce que nous commandons, pas qu'à permettre de résoudre petit problème que nous avons. Moi-même, si vous demandez, bon, moi, je ne vais pas acheter un demi-blindé. Je ne vais pas acheter un demi-blindé du tout. C'est pas qu'il faut. Il y a un pile l'autre matériel qui coûte moins cher, qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus efficace, qui a permis de résoudre le problème. Ça. Maintenant, est-ce que la police ou bien l'armée a besoin de blindés? Oui, c'est un matériel qui a un rôle du point de vue opérationnalisation sur le territoire. Sinon, il va t'en faire. Mais il a un rôle, mais pas un rôle que nous mettons fait là. Donc, colonel, ou peut-être attendons et question ça repose au lit déjà dans plusieurs émissions. Allô? Oui, vous attendez nous? Nous perdons du contact. Allô? Oui, colonel, nous entendez-nous? Je suis au point de contrôle là-bas. Hein? Allô, colonel? Oui. Ok. Ok. Pour le moment, c'était bon côté nous. Oui, moi, je trouve que question ça que je vais poser là, qu'on dit que je vais poser, probablement, ou joindre déjà, et que vous posez déjà, puisque ou même comme monde qui était dans l'État, ou tu es secrétaire d'État sécurité publique, concitoyen qui dit, ben, il y a colonel là pour nous. Combien de monde était arrêté qui t'a commettre mauvais actes dans le pays en un moment le secrétaire d'État sécurité publique et pour qui ça pas arrêté monsieur PHTK Sayo qui a toujours dit c'est yo qui a financé gang yo dans pays là. Bon mon capitaine de partenariat du secrétaire d'État sécurité publique le 12 août avec mission pour me sécuriser les élections et qui te gagne pour fête dans le mois novembre vers décembre. Et ça te fait 5 sur 5 sur tout le territoire. Pas de un bureau de vote. Te gagne un monde qui t'a le vrai wash sur yo. Élection a été faite. D'habitude, nous connaissons les élections faites en Haïti. Toujours gagne marché tiré 3 ou 4 jours avant, jour vote là, le vrai wash sur bureau de vote, à le tirer, etc. Et le secrétaire d'État de sécurité publique, il n'y a rien de vouloir arrêter le monde. Si le monde ne veut parler de Bali qu'on est, ou bien de parler, veut parler de Bali pas qu'on est, il y a un rôle, il y a une mission bien précise. Et mon cas, c'était prendre en charge le dossier des élections et m'a profité de mes cours encore pour me représenter, pour me remercier encore une fois au président Privé, qui était même totale autorité sur la planification. Sur l'exécution de la sécurisation des élections, ce qui a été fait. Et qui était fait, malgré la présence en pile conseil étranger qui était là, eh ben, il avait soumis les décisions du gouvernement
à avis que moi t'ai gagné pour me débailler sur toute planification qui était faite pour te sécuriser l'élection. Et une fois en Haïti, l'élection était faite, on bat mon bureau de vote qui était tiré, qui était gagné voix et watch, etc. Parce que j'étais allé exactement côté problème là, t'es capsule et me déneutraliser, c'était ma mission, je l'ai accompli, ma mission, ma charité, mon à gauche à droite. Et je dis à nous, on CSPN, colonel Rébu, avec toute structure de représentants, toute structure de sécurité et pays. Et pourtant, nous pas joindre minimum et ça, et dans la situation que nous y est là. Et je dis à vous, t'es parlé de compétences, problème de compétences ou incompétences. Est-ce que c'est ça, on va expliquer qui, ces résultats, incompétences là? Bon, pour aucune compétence, non, c'est d'abord faut une volonté pour résoudre le problème. Non. C'est quand on m'a appelé, m'a pour reprendre exemple encore. J'étais conseiller à la sécurité nationale au cabinet du président Privé. Il m'a dit, moi, ah, conseiller, bon problème, nous gagnons l'élection, il faut que nous réalisions dans les meilleures conditions. Même qu'on gêne. Ou des ministres. Position pour ta l'occuper, faut ta l'occuper en position de secrétaire d'État. Pour qu'à résoudre problème sécurité élection. Nous déposer une question, me dit président, est-ce que son job va ben moi, ou bien son mission à confirmer? Si son job, m'a pas intéressé par ça. Si son mission, même si c'est au grade de caporal, sous pense que c'est moi qui vais l'exécuter, et si me pense m'a faire, m'a accepté et m'a faire. Ce qui a été fait, maintenant, par exemple, il y a parlé de, c'est un gros problème pays à gain. Yo résumé tout problème sécurité pays à en fait CSPN. CSPN qui s'allie, son conseil qui là, d'ailleurs, il vient dit, de la police nationale. Or, la police nationale, c'est un élément de la sécurité du pays. C'est une entité qui est mal conçue. J'ai mettre là. Et puis, il y a des pouvoirs surdimensionnés. Et, par exemple, l'ombre CSPN réunit. On prend jeudi, le docteur Ariel Henry qui dit que c'est premier ministre ou bien qu'il a fait fonction et de premier ministre sous forme de cas de raquet. Ou bien, on est qui ministre de la Défense. C'est docteur Enol Joseph qui est l'autre docteur. Et ou bien, on l'autre nègre, bonjour Kounia, son femme qui est ministre de la Justice. C'est trois gros chefs ça et puis ministre de l'Intérieur. Ces chefs ça qui réunis et avec qui est-ce? Avec commandant en chef de la police là. Et puis, mon qui responsable à faire discipline, inspecteur général et qui bagaille. Bon, le détecte ça, dit ou mal qui passe ça. Mon ministre, qui rien fait qu'on est. Il n'y a pas de compétence pour ça. Maintenant, il y a des conseillers. Mais si vous avez des conseillers, vraiment, avant tout le monde là, t'as pris qui est-ce qui a conseillé et mon premier ministre en matière de sécurité nationale. Et puis, ou pas qu'à poser un problème de sécurité en pays, et puis vous dites la police. Problème sécurité nationale, pays. Je vous dis, qui est-ce mon système sécurité nationale, pays, qui a géré la production alimentaire? Cap gérer la qualité des aliments cap sorti à l'étranger pour entrer dans le pays. Est-ce que mon cap dirige pays connaît premier facteur de sécurité en pays, c'est système d'approvisionnement de production alimentaire et système de circulation, de libre circulation et de qui ça mon a mangé. Est-ce que mon qui là yo connaît que premier élément sécurité en pays c'est qualité d'éducation qu'on bali. Et qui gens ont formalisé le commerce, la libre circulation des citoyens. L'emploi. Premier facteur, c'est un facteur sécurité au pays, c'est qui s'offre pour gagner investissement, pour capable gagner emploi, pour gagner capable accès au travail. Car si ça n'a pas fait, on va gagner désœuvrement, et lors de désœuvrement, le vice, c'est lui-même qui va mener tout les autres qui gagner dans le pays. C'est ça qui est l'infrastructure de sécurité nationale au pays. Je veux dire, nous vivons un bagage, je veux dire, un problème. Est-ce que mon cap dirigé connaît que les produits pétroliers, c'est un des premiers facteurs de sécurisation au pays? Par exemple, vous voyez les États-Unis,
chaque fois qu'il y a un problème au niveau mondial, ou elle parlait de stock de réserve. Qui bon monde qui a dirigé que vous connaissez, pour vous stocker une réserve, pour vous stocker, pour si bon problème au niveau du monde, pour vous avoir 6 à 7 mois pour vous faire marcher en équilibre, en attendant, il y a résolu le problème de fond. Donc, non plus le monde qui pensait, depuis vous parlez de sécurité, c'est le monde qui a tiré, c'est le monde qui a un uniforme, ce n'est pas ça. La sécurité nationale est une chose. Le travail de la police, même l'armée, c'est une partie de la sécurité nationale que gérer. L'armée pas gérée, par exemple, qui sort comme service d'intelligence et de contre-intelligence en Haïti aujourd'hui? Qui sort comme service de renseignement à la tête de l'État? Et les services de renseignement, qui quantité l'argent que vous baillez ou entité dans le DCPJ? Parce que, premier jeu, la police a gagné pour l'anticipation des crimes. C'est DCPJ. Qui quantité comme DCPJ gagne? Qui quantité comme la police gagne pour faire renseignement? Au cas où il y a deux, trois vicieux, incompétents, c'est eux-mêmes qui gagnent toute masse comme la dame pour faire tripotage. Parce que vous n'êtes pas préparé pour ça, vous n'êtes pas connu ça à faire. Donc, tant que nous ne mettons pas les gens qui connaissent en place, que vous faites pour vous. Et là, tu mets un nouveau système de contrôle sur vous. Est-ce qu'il a fait travailler vraiment? Parce que le système de renseignement, c'est pas facile quand on est capable de mettre notre tête ou capable de lever l'argent. Et vous loi pour faire tout ça. Parce que vous n'êtes pas capable de mettre sur la place publique des agents que vous avez utilisés en matière de renseignement. Mais l'État non plus pas capable de faire quoi pour vous utiliser comme là, sous le nom du renseignement et puis vous n'avez pas fait travailler. Nous avons fini l'interview au matin, mais déjà un an, presque six mois, depuis Ariel Henry avec toute l'équipe liée à notre tête pays. Je vous demande pour présenter un bilan de gestion, un an, six mois, ça, pour l'équipe ça, ou d'abord qui ça? Bon, nous avons pris une phrase que mon chef gouvernement a dit, le moment arrivé pour le faire. On n'a pas gagné. Donc, tout le monde bilan là. Nous avons plus de monde qui a mouru. Nous avons plus de monde qui n'a pas vivre la caillou. Nous avons plus de monde qui est dans le désespoir. Et ils ont poussé nous dans une situation que nous presque pour nous plus qu'on ne parle au monde dit que le monde a dirigé. Merci un peu, Colonel Gébé. C'est moi-même qui remercie. Bonne journée à tout le monde et que personne ne perde d'espoir. Colonel Gébé, invité nos matins.